Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon appétit, bienvenue sur ce Don't Escape, nouveau jeu de Script Welder. Oui, YouTube, j'ai dû recommencer parce que j'ai bafouillé. Nouveau jeu de Script Welder sorti en 2013, donc ce n'est pas la série des Deep Sleep, c'est pas un jeu d'horreur, c'est toujours un point and click dans le même style, vous avez compris. Quoique, ça diffère un petit peu, parce que là c'est un petit peu original. Don't Escape ici, c'est le premier d'une série. Série qu'on va faire, évidemment. La seule chose, c'est que le 1, le 2, le 3 sont courts et sont gratuits, que vous pouvez avoir sur Armor Games ou sur Newgrounds ou ce genre de choses. Le 4 qui est sorti il y a quelques mois, qui vient de sortir, qui lui est beaucoup plus conséquent, qui va durer plusieurs heures, qu'on va faire aussi, mais qu'on fera pour toi, Twitch, toi qui es assidu, et toi qui es en direct, et toi qui connais un peu la vie, ce sera la semaine prochaine. La semaine prochaine, on fera Don't Escape 4, Four Days in a Wasteland, qui promet beaucoup. Sans plus tarder, je vais vous faire aller découvrir ce qu'est Don't Escape, jeu que je connais. Je n'ai jamais fait, mais j'ai déjà vu quelques let's play dessus. Donc je connais, ce n'est pas de la découverte, mais ça va permettre de vous faire découvrir le style de jeu de ce que c'est que Don't Escape. Je me suis réveillé dans une chambre. La chambre n'est pas fermée. Et je me souviens de tout. Je suis un loup-garou. Ce soir, je vais me transformer et des gens vont mourir. À moins que je ne trouve une solution pour prévenir ceci. Pour m'empêcher de sortir de cet endroit. Je dois être sûr... I must make sure that whatever happens... Je dois être sûr que quoi qu'il arrive, je ne dois pas m'échapper. Donc le jeu, c'est ça. On prend l'escape game et on le retourne à l'envers. C'est-à-dire que le but de ce jeu, c'est de s'enfermer, de pas sortir. Alors, on a du temps, je peux appuyer sur le sablier quand je suis sûr que tous les lieux sont fermés et tout ça machin, et je peux tenter de survivre à la nuit, enfin, que les gens survivent à la nuit. Ça, je peux mettre des items sur moi, donc là, on peut voir, je peux sortir, je peux fermer la porte, je peux récupérer des objets. Donc voilà, il existe qu'en anglais? Oui, il existe absolument qu'en anglais, c'est aussi pour ça que j'ai hésité à sa sortie de vous le présenter, mais j'ai décidé que voilà, comme c'est un anglais qui est plutôt simple, je peux vous le traduire en direct, c'est pas trop compliqué. Donc voilà, donc on est dans une pièce, voilà, et notre but, ça va être de nous enfermer le plus possible pour éviter qu'on sorte. Alors, il y a une clé là-dedans. Alors, je vous ai dit que j'ai déjà vu des let's play, mais je me souviens pas de tout. Hein. Je me souviens dans les grandes lignes. C'est vide, c'est vide, c'est vide. Non, c'est pas vide. Un petit number, une boîte d'allumettes. D'accord. Je peux allumer la bougie. Non. Ce serait un gâchis que d'utiliser des allumettes pour ça. Alors voilà, je peux fermer la fenêtre. Chose qu'il va falloir faire, évidemment. Alors, truc que beaucoup de youtubeurs ont oublié, c'est que... Petit crochet à fermer. Et parce que quand vous êtes loup-garou, vous êtes con. Alors, il y a de l'herbe séchée. C'est bloqué. Attends, j'ai une clé. Non, c'est pas pour ça. D'accord. Il y a une corde. Je crois qu'on peut regarder au plafond, non? Non. Ou au sol. Non. Ah, mais il y a des flèches, de toute manière. Ah, si, voilà. Ok. En bas, il y a de la viande, bout de viande, de l'herbe séchée, non, des épices, et des tas de bonnes choses. Tels étaient au départ les ingrédients pour créer une vie parfaite. Quelle connerie. Un balai, j'ai pas besoin de ça, il y a un fusil sans munitions, une bouteille en verre vide, et un papier. Ok. The hut looks... La cabane semble abandonnée. Je vais rester ici pour un petit bout de temps et essayer de trouver quoi faire. J'espère... I hope I haven't eaten whoever lived here. J'espère que je n'ai mangé personne si quelqu'un vivait ici. Ce soir, c'est la pleine lune. Il y a un deuxième bout de papier derrière. Exactement comme je m'y attendais, la sorcière parlait en énigme, enfin faisait des énigmes, parlait en... faisait des énigmes. Elle disait pour affaiblir la bête, je devrais utiliser de la poussière chaude
Hot dust. De l'herbe qui croustille. Et quelque chose qui pousse dans la terre. Et qui n'a pas été planté. Ça, c'est un shroom. C'est un champignon. Elle a aussi mentionné que... That it would wear off quite fast. Elle devait être consommée rapidement. Et juste avant l'affaiblissement. Ok. Belle bulle et rebelle contre le terrible Mojo Jojo. Tout à fait. Ok. Ah. Un pot rempli d'eau froide. Ah bah tiens, là je peux... Non. Ah, le... D'accord, l'antre de la cheminée est vide. Faut que je mette du bois. Ok. Donc, on va sortir. Ok, dehors. Une hache. Et ma hache. Ah, bah voilà. Des bûches. Du shroom. Des shrooms. Bon, on va fermer la porte. C'est cette clé qui ferme la porte? Yes, j'ai bloqué la porte. Là, j'ai rebloqué et bloqué la porte. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Ah. Je sais pas ce que c'est que ça. Je peux mettre des bûches dans le feu, j'imagine. La gold wood. Yes. Et j'allume. Tinderbox, il est là. Yes. Ok. Il fait bon et chaud. Ok. Dans le manteau, il n'y a plus rien. Un lit. Ok. Alors ça, je me souviens. Voilà. Bah, j'ai plus de hache. D'accord, donc des bouts de bois. Vous savez, parce qu'il y a un truc qui est toujours fermé, là. Ça. Crouch, crouch. Je peux pas le péter. Des planches de bois. Attends, qu'est-ce qu'il dit? I'm back, à spawn, qui revient. Les tonneaux ont l'air d'être vides. Et donc j'ai une utilité. C'est la pété! Oui! Attends, la. Hot dust. C'est pas là-dedans, ça la poussière? Non. La viande. Je me souviens que la viande. La cuir. Avec les ingrédients qu'elle nous a donnés. Mais pourquoi je peux pas. Je peux pas l'ouvrir ça? J'ai oublié autre chose dehors? Attendez. Bouge! Bouge! Je peux pas. Ah, c'est ça. Rien d'autre? Je peux pas aller nulle part? Par ailleurs? Non, fermé à clé. Bouge. Putain, mais alors bouger ça, c'est chiant. Ok. Putain, mais le broom, quoi. De l'eau boue. Pourquoi je peux pas ouvrir ce putain de... C'est vide. Il y a un clou, là. Eh, regardez, je peux interagir avec. Ah non. Ah non, je peux interagir avec le manteau, mais pas le... Pas le merde. Y'a rien là-dedans. Y'a rien. Merde. T'as vu que le 1 dont Escape... Oui. 2, 3, j'ai vu vite fait quelques images, mais pas le jeu en entier. Même pas le jeu du tout, en fait. Je sais à peu près où se passe le... l'action et que c'est quoi à peu près le plot, mais... J'y ai pas joué. Je peux pas ramasser... Putain, mais... Comment je l'ouvre, cette merde-là? J'ai oublié... Attends, mais ça me trique, ça. Ça me trigue. Ah, des bois de serre. Un chasseur devait vivre ici. Il n'y a pas de munitions.
que je me souviens que les planches, ce qu'il faut en faire, c'est ça. Voilà, et utiliser les planches sur pour clouer la fenêtre. Le seul truc, c'est que je crois de mémoire que le marteau et les clous, c'est dans la malle. Il est putain de bloqué, cette malle. Non. Attends. Ah ! Une racine ! Ah. Ah bah, vite, vite mon cul, hein. Des épices, de l'herbe, racines, mushroom. Y a rien en l'air. Qu'est-ce que j'ai loupé? Un broom, j'ai pas besoin de ça. J'ai forcément loupé quelque chose. Je peux mettre les ingrédients là-dedans, mais j'attends juste de faire le reste. Putain, je me suis dit ça va aller vite, mais que dalle, j'ai tout oublié. Shit. Merde, j'ai ramassé le bois. Je peux pas... Non. J'ai oublié. Là, je vais... en fait, je vais mettre la viande à cuire avec les... Avec les... Est-ce que ça se trouve, je vais pas le péter, ce truc-là, en fait ? Au lieu de péter les planches. Ça me trigue, je sais pas ce que c'est. Ça m'intrigue et ça me trigue. Y a rien là-dedans. De la poussière chaude, c'est pas de la cendre. Oh ! Chêne. Chêne, il me la fallait aussi. Si, mais alors de mémoire, je crois que justement c'est un truc mal foutu dans ce jeu. C'est que la... Je crois qu'on peut le faire sans la poussière. Du coup... Ah mais attends, la poussière, du coup je peux pas ramasser le balai ? Attendez, on va relire ça vite fait. Hot dust, de la poussière chaude. Donc si, c'est possible que ce soit de la cendre. Crunchy herb, de l'herbe qui croustille. Et un truc qui pousse dans la terre. Un truc qui croustille. De l'herbe qui croustille. De l'herbe séchée. Mushroom. Et je crois que c'est les épices. Hot, parce que hot, c'est chaud, mais aussi piquant. Ça peut être les deux. Le feu à la baraque et avec les braises. oui d'accord. Putain, mais putain de, mais t'es pas net. Je peux pas ramasser ça. Non, rien. Bloqué, bordel de merde! Ok. Et si j'utilisais la hache sur la... Donc là, en fait, je suis baisé, mais si j'utilisais sur le truc... Bon, attendez, vous savez quoi? Tant pis, on va mettre la viande dedans. L'obou, mais oui. Ah oui, d'accord, ok. On va la mettre en dernier moment. De l'herbe. Ok. Le shroom. Et... les épices. Morceau de viande. Ah, non, d'accord, ok. Je ramasse la potion. Potion sur la viande. Ok. Viande sur crochet. Voilà. Voilà qui devrait rassasier la bête. Le pot est vide. Ah. Vous voulez une racine?
Enfin bref, je pense qu'on est baisé et qu'il fallait peut-être péter le truc, j'en sais rien en fait. Parce que je trouve pas là, je sais pas où elle est cette putain de clé. À moins que... Attends, parce que... Je peux pas sortir et non par là, je peux pas regarder. Ok. Ah! Oh putain, sous le lit! Oh la connerie de jeu! Excusez ma curiosité, mais... Mais la bête, elle était comment? Comment ça, la bête, elle était comment? Je sais moi, la bête. Voilà, le marteau et les clous. Et là, paf, paf, paf. Planche, tac. Marteau, tac. Voilà. Pouf, 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 pouf. Ok. Donc, je me lis, je m'enchaîne. Et on tente. Finir le jeu. Tu attendras jusqu'à le soleil et que la pleine lune ça arrive dans le ciel. Tu es déjà prêt, tu sens déjà la fin arriver en toi. Est-ce que tu es prêt? Oui. C'est les 12 travaux d'Astérix. Ah, je me souviens. Ah oui, ici. Ok, donc je suis transformé. Je suis à 100% de mes capacités et de mon endurance. Le loup-garou a faim. Il cherche de la chair. Il arrache la corde avec ses dents qu'il bloquait. Il se débat et enlève ses chaînes. Ça lui a pris un peu de temps. La viande l'a un peu distrait. Après l'avoir mangé, il se sent complètement étourdi. Il commence à se débattre de partout et à essayer d'arracher ce qui bloque la porte. L'ouvrir est relativement facile, car elle n'était pas... fermée. Connard. Enfin, le loup-garou est libre. Et merde, putain! J'ai oublié de fermer la porte à clé! Voilà. Night of Terror, allez, dégage, dégage! Dégage, je vois rien! Une nuit terrifiante. Le loup-garou a attaqué et a tué une personne. Cette pauvre âme n'a eu aucune chance. Un des villageois a été mordu, mais il a survécu. Il se considère lui-même chanceux. Au moins jusqu'à la prochaine pleine lune. Le loup-garou c'est parti se cacher dans les bois. Avant que les chasseurs de monstres n'arrivent. Ils n'ont pas réussi à traquer la bête. Ok, donc j'ai eu une mauvaise fin. Je vais juste recommencer très vite fait, et on va essayer d'avoir la bonne fin. Et voilà, et là normalement je crois que je suis bon. Je crois. On va tenter. Allez, vas-y. Excellent. Ok. Il a faim et il cherche de quoi se nourrir. Les cordes, la chaîne, la viande, il se sent étourdi. Ah, il commence à se débattre et à attaquer la porte fermée à clé. Ça lui prend pas mal de temps à déverrouiller le loquet. Enfin, le loup-garou est libre. Mais à 0% de sa vie. Une nuit calme. Le loup-garou a fini par sortir de la hutte, de la cabane. Mais ça lui a pris beaucoup de temps et d'efforts. Affaibli par le poison, fatigué pour avoir défoncé la porte, il n'a absolument plus aucune force. Il part se cacher dans les bois, se fondre dans les bois, sans avoir alerté personne. Et voilà! C'était du coup Don't Escape 1. Donc, alors ce jeu, c'est un tout petit jeu, hein, je vous l'avais dit, hein, c'est un tout petit jeu qui se fait très rapidement. Par contre, ça, le Don't Escape, c'était un test, et après il s'est attaqué à plus gros. C'est-à-dire que Don't Escape 2 et 3 sont plus conséquents, plus longs, mais toujours sur un peu le même thème, sauf que cette fois-ci on n'est pas un loup-garou. Chaque fois ce sont des thèmes différents, mais qui demandent à ce que on se confine dans un lieu. Je vous laisse essayer de deviner d'ailleurs le thème des autres. Sauf que le 4 est carrément plus conséquent, là c'est une longue histoire et ça on le fera plus tard. En tout cas YouTube, j'espère que t'as kiffé ce concept. Si c'est le cas, évidemment tu mets un pouce, sinon je te fais un doigt. Je te fais plein de gros bisous, je te dis à la prochaine. Ciao.